Narcissa Tompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps. Et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Avant de commencer cette émission, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ne cessent de nous soutenir. Vous êtes nombreux sur la toile, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux, vous soutenez ce que nous faisons. Et merci vraiment à tout le monde. Merci à, je vais citer quelques noms, des personnes qui ne nous laissent jamais. Euh, mon père avait raison, Bouffonne, Bouffonne, Mon Essentiel, Roger les Combattants, Kenjo, vous êtes nombreux, Anthony hein, de son père. Vous êtes... Alors, si je dis nombreux, c'est vraiment nombreux. Vous êtes décidé de nous accompagner. C'est vrai, le travail est très difficile, mais il est parfois très compliqué. Mais vous ne nous laissez jamais. Ne vous ne pensez pas que moi aussi, je vous oublie. Donc je sais et je continue à me battre pour ne pas vous décevoir. Il y a bien évidemment le parrain et aussi euh, euh, mon frère ou ma soeur, je ne sais pas son sexe, mais c'est central, dont on ne connaîtra jamais le sexe il est un homme ou une femme. Merci vraiment à vous tous de nous soutenir. Aujourd'hui, je voudrais bien que l'on puisse réfléchir sur une question. Vous avez vu sur la toile ces derniers, euh, ces derniers temps une image un de l'ambassadeur euh, américain avec les militaires. Et vous avez suivi la réaction de plusieurs personnes. En réalité, tout ce que moi je demande aux Congolais, c'est que faisons des gros efforts pour apprendre à lire. Faisons des gros efforts pour apprendre à lire et à contextualiser les choses. Apportant des commentaires dans des histoires que nous maîtrisons. Si vous ne maîtrisez pas une histoire, vaut mieux s'abstenir que, que de raconter des choses. Parce que en racontant des choses, vous exposez toute la considération que les gens ont pour vous. Il est important. J'ai vu des gens, j'ai vu des anciens ministres, j'ai vu des, des autorités de ce pays qui ont assumé des, des rôles assez importants. Dire par exemple, depuis quand un ambassadeur réunit les militaires dans un pays Mais attendez deux secondes. Le problème ici, c'est qu'il faut faire comprendre aux Congolais que, qu'on a la capacité où les Twitter, ton a Facebook, il y a des capacités où la mail Le plus important, c'est avant de faire ma déclaration au talin au Bengi, à de trois personnes. On a tous des on a tous contacts armés. Donc tu peux appeler un copain, un cousin, tout ça, pour essayer un peu de savoir, de te poser ne serait-ce qu'une question. Alors moi dans mes recherches, je voulais quand même faire comprendre ça à Bato. On a fait comprendre au Bino, tout Bino les il est vrai que Félix Tshisekedi ne sera pas aimé par tout le monde, ça c'est sûr. à dit l'unanimité est la Mais les attaques, qu'on à son endroit, tous ceux qui quand attaque sur base à système et non sur base il individu. Parce que ce qui comme contre un individu, est comme il m'a la Si nous commençons à voir tout ce que l'homme fait, alors ça devient compliqué. On sort de, de, de l'orbite de la pensée, on tombe dans les prétextes, et comme ça la nous devons réfléchir profondément sur cette question et pour que tout bah, Nous tous nous sommes préoccupés par la situation à l'est de la République. Nalikambouya est bato baso mes frères, tous les jours. Les villages décimés, les villages euh, parfois euh, abandonnés, des réfugiés dans le Congo. Cette histoire, ça fait 20 ans. Plus de 20 ans et l'autre est allé Joseph Kabila avait dit aux députés à son, à son temps, quitter les groupes armés. Mboso a rappelé Awa. Comme les gens sont hypocrites parfois, au lieu de regarder la chose dans la bonne direction, bah on dit qu'on attaque Mbosso. Oh non Mbosso, il faut Mais Kabila avait dit ça dans ce pays. Personne n'avait rien dit. Des généraux ont interpellé plus d'une fois les politiques. Certains généraux. Bansi a bah interpellé plus d'une fois les politiques. Des Congolais eux-mêmes, société civile, par bah, rapport à l'institut, bah, si bah, nous avons des pistes d'avions dans ce pays que la RVA ne contrôle pas. Parce que ça dit que bah, la piste est oh, bah, uniquement pour l'atterrissage, le la décollage, il y a bah bien, il y a minéré, sans aucun contrôle. Tout le monde le sait et tout le monde l'a dit. Mais maintenant, la grande question est-ce que nous allons continuer dans la même situation il faut à un moment donné arrêter la chose. Nous avons connu l'alternance. Mais à l'est du pays, l'alternance de la guerre n'a pas été trouvée. Parce que les gens continuent à mourir. Et Batou, Bazoloba, non, Félix, c'est est incapable sur la question. On veut bien, mais réfléchissons bonnement et tranquillement sur la question. Ni ni les Kara Est, plus besoin de vous en parler parce que vous voyez bien gobino Nyonso. Et puis Nassana l'obégo plus d'une fois. Que les à guerre, montagnez-vous qu'on maîtrisait un côté.

le jour où on va autoriser, où on va décider que tout ça, est n'a pétrole convenablement, comment on appelle Comment on appelle l'équateur Comment on a des difficultés Parce que les gens, ou même les, les grandes puissances, lorsqu'ils pensent qu'il y a un intérêt à quelque part, est à la Paix, qui à la Bangote Parce que pour Nabango, contrairement à Nabisso, dans les désordres, Bango va gagner. Et là, on a que 20 ans.

à l'est de la république, Place aux guerres Ali, Place au et Ezali, les maisons se construisent, la vie s'organise. Les gens construisent des maisons, des entreprises opulentes, des affaires y Bah, entrepreneurs n'en parlons pas. Si vous allez à l'est du pays, vous allez trouver un nombre très important d'entrepreneurs, sans nous dire exactement ils entreprennent dans quoi. Mais lorsque vous allez à l'ouest, au nord, vous trouvez que là-bas c'est stable, mais il y a rien. La vie semble tourner au ralenti là-bas, mais est là où c'est supposé être un endroit, où il y a eu des tombes, des guerres, ainsi de suite. Les gens sont bien là-bas. Je veux dire, matériellement, ils s'en sortent. C'est un peu ce contraste-là qui dérange. On comprend tout de suite que nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre d'affaires. Ou alors une guerre des affaires. Alors, quand on a compris le tableau, on enlève l'homme. Comment comprendre qu'il au a un dossier, il y a un président t il faut une politique globale de la question Il faut une politique holistique il faut qu'on t'aille là la prémisse les cambo guerre ou tu ouais ah guerre ou tu boi 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 ok c'est un groupe groupe en gros c'est mutaka groupe nengenin groupe en gros c'est mutaka 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 tu tiens comment on est et d'entretenir la banane banane on va appeler ça le groupe en un banane on va faciliter l'achat d'armes toutes ces choses là c'est un réseau bien installé oh déclaration simple à président et gosil c'est un côté alors, Félix, c'est dit partout à qui Comme il, est, il souffre pour la communication, malheureusement, il, partout il passe, il le dit. La question de l'est me préoccupe. La question de l'est me préoccupe. Il le dit partout. Mais il le dit à qui, malheureusement Il le dit aux gens qui ont de l'intérêt dans cette histoire. C'est ça la triste réalité. Il le dit aux personnes qui ont de l qui ont un intérêt. le de la République. Alors, comprenons ces choses les Israéliens et d'autres personnes assez éveillées, parce que ce que je vous dis, c'est des révélations en fait. On dit au chef de l'État, non, non, ton prédécesseur avait eu à un moment donné une idée. Mais après ça, il y a une idée, il a bien. Bah, bisse, le lingot, est sa guerre à l'Est de la République, parce qu'il faut le dire, hein, à un moment donné, Kabila en avait marre aussi. Parce que cette guerre pouvait l'emporter lui aussi. Alors, Kabila, en 2008, décide de réformer l'armée. C'est une très belle décision à lui. à réformer l'armée. Mais très rapidement, mais alors... Très rapidement, il est découragé. Très rapidement, découragé. Monsieur, ne va pas dans cette direction-là. Et qui ma bien ma Il faut réformer l'armée. Il faut ma bimane. Il faut Sabato Sika. l'école. Ils ont fait ça, malheureusement. Mais puis après, plof On a bloqué. Félix, c'est On a dit la même chose. On dit non, monsieur le président. Il faut est bon, c'est une armée dissuasive. Il faut que le pays voisin, il Banga qu'il servir de sous traitants on n'a pas besoin de représailles. Mais vous ne faites peur à personne. Le Rwanda n'a pas peur de vous, Burundi n'a pas peur de vous, Ouganda n'a pas peur de vous, Angola n'a pas peur de vous, même Brazza n'a pas peur de vous. Donc, ceux qui dit que vous allez vraiment bien et que ma bah, pays voisins bah, respectent Bino, bah, commencez d'abord par définir une politique, une stratégie de défense. Félix, je sais ce qu'il dit. Mes frères, ce que je... Au moins, c'est parce que les gens ne veulent pas dire la vérité aux gens. Et quand on dit la vérité aux gens, Tu vois le voyez le problème C'est que les gens veulent que tout ce qu'elle a qu'elle a tout ce qu'elle a tout ce a, les rumeurs circuler. On peut pas continuer à laisser les rumeurs circuler. Ces rumeurs nous font mal, ça nous détruit. Ça nous rétrograde. Ça ne sert à rien de cacher une vérité. Moi je ne suis pas je ne vois pas pourquoi on va être contre l'idée à est bien. Je ne sais pas pourquoi À moins que toi là animé a une mauvaise volonté. Le problème est dans le niveau Oana. Félix Tshiseké dit « Ah, donc dans ces cas, il faut te remodeler. Ben, » M. Balobi, effectivement, l'Israël, les États-Unis. Ben, M. Balobi, tu dois refaire. Reprendre les équilibres. Alors, Félix Tshiseké dit « Il n'était pas, pas militaire. Ben, » Mais il pose quand même des questions. Ben, M. Balobi, oh, vous avez plusieurs bases militaires au Congo. Plusieurs bases militaires. Vous avez la Baki, vous avez la, 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 la Baka. Baka, na baki, militaire, ba yebiango. Ce que je suis en train de dire, ba Au bah, moins pas Aujourd'hui, en temps moderne, aucun pays ne peut gagner une guerre seul. Aucun. Tous les pays gagnent des guerres avec des alliés. Toujours des alliés. Mais nous, à un moment donné, pendant très longtemps, on n'a pas eu de bons, de bons alliés. Vous avez des alliés qui ont des intérêts dans le problème Bino. Ça commence à devenir un peu compliqué. Alors Fatih dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse On dit non, on recommence notre projet à 2008. Et c'est qui un bon projet Réforme et armée. Parce qu'il faudrait qu'on à commandement et armée, na a bateau, on officier, officiers, jeunes officiers, pour former les militaires, dans la stratégie moderne, il faut avoir des BAM, il faut avoir des BAM. Il faut battre dans le bas de la Le coup, il est à l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu, les BAM et les BAM pouvaient être comparés dans la y à autant. Parce qu'il y a même formation. Aujourd'hui, on a baissé ces choses-là. On dit non, 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 non. Le brassage nous a coûté. Tous les militaires de, 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 de la rébellion, il suffisait qu'on ait une armée loyale, ce qu'on appelle armée loyaliste. bakoti na bagrade na bango avdire isotoproclame capitaine istoproclame génerax bakoti na arme bati nabanerax eseki fait ke baza banero oyo na bakapitaine oyo nabaoyo baza na baninga te akobeta lisolo ya formation asala te e napade baninga oyo babengaa a lingala ya militaire masuwanbamasuwa te monieti bagneral etmbabaza na masuwa na bango ayebie otanana Bah général Christian, bah non, souhait à la bango. Donc quelqu'un peut dire, on oh, a Christian, tu n'as pas la place de mon Eh, bah, Mais il y a beaucoup d'autres qui ne peuvent pas dire ça. Ils n'ont pas de leur masoua. Bah, Maintenant, Félix Seké dit, trouve une situation comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Oh non. Ah ah ah, l'on a dit armée. Un président, ça n'enlève pas les gens de l'armée comme ça. J'entends les gens dire, armée, t'es, armée, vous Vous ne pouvez pas dire que vous la démocratie et utiliser les armes de la dictature. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et donc, Fati prend la décision, une décision courageuse. Revenons à la base, naou, la réforme. Et le partenariat va être signé avec cette fois-ci l'Amérique. On va dire l'Amérique. L'Amérique venait maintenant former nos militaires, entraîner nos militaires de façon plutôt à la compétitive. Lever ma mesure, il y a un embargo. Un pays en guerre, lorsque vous l'interdisez d'acheter des armes, de s'approvisionner dans arme, vous êtes complice. C'est comme moi, je me bats, on, on me tabasse, on, on, on infiltre ma maison. Et vous m'interdisez de me protéger. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes des mèche avec ceux-là qui m'attaquent. Ceux 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 Parce que c'est simple. Comment un pays comme le Congo, qui est menacé, mais vous l'interdisez d'acheter les armes, vous l'interdisez d'enrichir son armement. À un moment donné, on se dit Mais c'est que vous voulez que vous de Parce que comment vous laissez les autres prendre les armes et notre armée, vous l'interdisez de s'en. Il y a de à Et comme il est compliqué. Et Fatih a demandé sa carte sur table. Vous voulez ça Nous, nous voulons ça aussi. Et aujourd'hui, l'Amérique a trouvé un interlocuteur qui comprend. Qui comprend qu'il faut maintenant trouver ça. Et qu'est-ce qu'il fait École de guerre? Les gens ont trouvé cette c'était histoire facile. Mais mes frères, permettez-moi de vous le dire. il y a une école de guerre. Une école de guerre qui forme des stratégie. Une école de guerre forme cerveau. C'est à l'école de guerre que l'on forme des stratèges. d'une manière ou d'une autre, breveté d'état-major. C'est là qu'on forme ces gens-là. Alors, sans école de guerre, comment vous allez analyser la guerre sans école de guerre, comment analyser une guerre Le peuple congolais devrait en principe applaudir cette action. Mais quand on communique moins sur la question, les services de communication, on ne va communiquer suffisamment sur ces grands avantages, on n'en parle pas. Les actions au Fachado Salalelo, il est pratiquement en train d'être oubliées. Est-ce que vous savez qu'il est en train de résoudre un problème africain sur l'électricité ah, africain Aujourd'hui, lundi, place de lundi, il y a des chefs, de, pardon, les, les, les délégués spéciaux, il y a un chef d'État africain basé en Réunion. Avec un seul mot, remercier le, chef, le président de la République congolaise pour l'implication dans la résolution des problèmes au-delà d'Afrique. Mais qui en parle Est-ce que vous en savez même On n'en parle pas. Parce qu'il est question de ne jamais parler de ça. Ou de ne jamais nous attarder sur la question. Tout le ou alors, ceux qui ont Comme si les États-Unis ont réglé tous les problèmes de leur vie, de leur pays, avant de régler les problèmes des autres. Mais ils continuent à avoir des problèmes. Mais ça n'empêche pas de trouver des solutions pour les problèmes de tout le pays quand on est président de l'Union africaine. École de guerre, on n'a pas beaucoup de pays en Afrique qui ont l'école de guerre. Nous, nous en avons. Et nous, nous venons de créer l'école de guerre. mais c'est des brevetés. Mais comment on fait ces militaires Parce que nous avons une conception, encore une fois, dictatoriale. Un président n'a pas une armée. L'armée appartient au pays, à l'État. Voilà pourquoi on dit que l'armée doit être régalienne. Ça veut dire l'armée doit être l'armée de l'État et ne doit subir aucune manipulation. Au début du mandat, il y avait des résistances. C'est vrai. Au début du mandat, il y avait des généraux qui n'obéissaient pas à Fachi qui n'obéissait pas au président et il le savait. Mais au bout d'un temps, lorsqu'il a frappé sur la table, tous les généraux ont fait le choix. Tous, ils ont fait le choix. Et il y en a qui ont dit non, non, en tout cas, on ne peut plus continuer comme ça, bilingam, yango tout changer. Et des grandes réformes sont à annoncer, Namakambo. Parce que je vous ai toujours dit, à l'époque de Mbou, tous les capitaines, les lieutenants, mais ce n'était pas de n'importe qui. À l'époque de Mbou, tout quand vous rencontrez un capitaine, vous rencontrez l'État. Si vous rencontrez un major, mais vous risquez de ne peut-être jamais rencontrer un général. D'abord, comment vous allez le rencontrer Un général, mais c'est le sommet des sommet. Mais aujourd'hui, il faut rencontrer le général pour être, pour être convaincu. Le colonel, pff, tu, ça ne te dit rien. Le, le capitaine n'en parle même pas. Tout ça. Parce que nous avons tout détruit. On a, excusez-moi, l'expression, cette expression n'existe peut-être pas, mais je suis en train de vouloir la dire pour le. le euh, J'essaie un peu d'inventer ça, quoi. On, a, on va dire, on va généraliser. <laughs> en fait, pourquoi pour dire C'est devenu une armée presque des généraux et des officiers. Pourtant, l'armée, c'est les troupes et le commandement aussi, c'est vrai. Mais les troupes, les troupes doivent être bien, bien installées, confortablement, je veux dire, bien traitées, euh, euh, équipées, formées. Et puis, vous avez un commandement assez jeune. Tout le monde a un film, non

c'est un peu ce que Kabila le Père faisait, sans, sans armée d'ailleurs. Kabila le Père le faisait. Mais aujourd'hui, comme on est dans un monde, entre guillemets, civilisé, on doit respecter Abdul Alors, qu'en est-il de l'ambassadeur américain à Mes frères, c'est une page d'histoire, ça vous apprend à comprendre des choses. Nous avons la base des Kamina. Où est la grande configuration? Il y a la province de Katanga. T'as allé base Kitona, babenga Bengongo Bakki. Base de Kitona, babenga Bengongo Bakki. Base de Kamina, babenga Bengongo Bakka. Bateau, bah y'a l'histoire. Bah quoi? base Kamina est là qui base est C'est telles les Américains qui avaient créé Baszona. Alors il y a la guerre froide, Baszona et tout. Bah qui a créé Mes frères, peut-être parce que tu mets ta langue de longue date. Base Kaminawana, Ezali, n'a 32 pistes. Donc, Elikinjili, base Kaminawana, Ezali, 32 pistes d'avion. cest à c'est une base, je veux dire, ils n'a pas eu Mais en tout cas, ils est la base, Yamakasi. Ezali, qui est américain, lorsque Kabil Mbou, tu avais eu des petits soucis, Nabango, bon, bah, Kabouana, bah, a ça, la base, Nabango, n'a Ouganda, je crois. Entre Ouganda ou Burundi, je peux me tromper. Mais disons, un pays, Ouganda, je dois le dire. Bah, komikuna, bah, ça a la base Parce qu'il y a de Donc aujourd'hui, nous voulons faire les partenariats avec l'Amérique. Bon, Dites-moi, qui est le mieux placé pour garantir les intérêts américains au Congo Parce que cette question ne va pas décider dans le Parlement. Disons, cette question, il y a une discussion avec l'ambassadeur, il y a un, ambassadeur, non, un militaire et vous parlement, bah, Et puis il a, il a parlé avec les militaires. L'ambassadeur américain était dans le droit. Il n'y a pas un problème. Ils étaient dans ce droit. Le, comprenez qu'ils ne donnent aucune instruction. L'ambassadeur américain n'a pas, pas des instructions à donner aux militaires congolais. C'est des éclaircissements du partenariat. L'ambassadeur est censé voir, préparer les terrains pour que, bah, je ne sais pas si on les appelle comme ça, bah, amiro, Nabaruto, bah, amiral, Nabaruto, bah, il en a le droit de regarder, de vérifier. Côté, effectivement, est-ce que Batou Batapena a un système de défense tamango et Zanine On discute avec eux. Et puis après, l'Amérique pourra maintenant envoyer L'Amérique n'est pas désordonnée comme chez vous. Eux, ils sont, ils, quand ils ont envoyé un, un ambassadeur, ah ouais, c'est pour que l'ambassadeur traite sur toutes les questions qui lient l'Amérique. Le premier témoin, c'est lui. Il doit se rendre à la place Oana, à Milba militaire, et bien évidemment à son président. Et ce n'est qu'après... Avant discuter na Bangonyo, nd'arrive ça le rapport naé États-Unis. Oui, je parlais avec l'armée congolaise, je parlais avec les autorités congolaises, j'estime qu'ils sont prêts ou elles sont prêtes, vous pouvez maintenant. Oui, mais non, là l'armée l'Amérique va envoyer des spécialistes na armée pour nous quoi quoi ça la étude de faisabilité. On va enseigner pendant combien de temps, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, tout est enseigné comme ça. Mais alors, je ne vois pas pourquoi ça peut sortir Susciter, tolérer un modèle, ceux qui est une campagne de déstabilisation, il y a le président Félix sécurité. Il évité en tout cas. Parce que personnellement, je ne suis pas un peu mourant. Le colonel Mokazan a un sac, il y a amer. Mes frères, entre nous, soit dit. Donc, il y que un colonel a un sac, la y a mon côté. Donc, le colonel Mokazan a un sac, il y a mon côté. Mais non, qu'est-ce qui vous fait dire Parce que ce n'est qu'une photo qui ne parle pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que le sac appartient effectivement à l'ambassadeur Atako binomoko. Je me pose la question, comment nous faisons pour vivre dans un tox Comment on fait pour vivre dans un mensonge, dans la manipulation Comment vous faites Dire la vérité, ça ne fait pas de vous de pro. Si tu maintiens ta place, tu dis, je garde ma vérité, je, je ne sortirai pas de mon coin. Je ne suis que du côté de la vérité. Ce qui est bien fait, est bien fait, ce qui est mal fait, est mal fait. On ne vous demande pas plus. On ne demande à personne d'être chanteur de qui que ce soit, de syndicat, cacao, moko. Est-ce que moi, valide tout va vérité kak? Alors, to liki aussi que sa guerre à Est République. Nous autres to lingiango. Tolobi boye, comme le c'est la guerre à Est à la République. Et ça, les sont Mais est -à de la guerre eux concernés, misopena kati. Besoin à congolais peut dedans moi mingi. Tout le constat ont été fait. Nous sommes dedans, on est dans cette affaire. Alors, pourvu que pour que l'étranger, bah, bah le bah, 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 pays, le en fait, bah, bah, sous-traitant n'ait bah, pas agressé Bissoté, faisons en sorte que Bissoté soit à la fort, à l'intérieur. Parce que quand on a à la on a représailles. à l'intérieur, En mobilisant l'armée. Et Fachi a décidé, ça je vous donne encore une information, a décidé de monter des commissions au sein de l'armée pour détecter qui sont des gens qui ont été impliqués dans la tuerie voilà. Les dossiers sont faits, mais moi je ne suis pas un armé, TVT. Ce qui se passe au sein de l'armée, on ne peut pas venir à la télévision, mesdames et messieurs, le hobby l'armée, c'est de Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des services spécialisés qui ne font que ce boulot-là. Qu'on t'a la peine, à... oh, okay. il a été impliqué dans la terre. Parce qu'il faudrait arrêter que le... bateau Y'a un monsieur qu'à un moment donné va défection, parce que tout qui qui bat pas, bah Oh non, tout ce que a a a eu, a eu de le Tu aurais gagné par rebelle. Pourquoi on a gagné ma rebelle Qu'est-ce qu'un monsieur, un colonel, un major, un officier de l'armée va gagner en rejoignant une équipe, pardon, un groupe, un groupe armé. Pourquoi il le fait? Parce qu'il se rend compte que la dynamique qui est quoi, écoutez si la dynamique que est que le tout nous sommes au impliqué dans ma campagne Et Fachi a dit qu'il voulait en finir. Quand il disait que je peux donner la je peux je, je suis prêt à laisser ma vie. Il ne disait pas qu'il allait mou, venir mourir à l'est là-bas. Les gens peut-être n'ont pas compris le sens. Il voulait simplement dire que si président il y a au train il est prêt à laisser sa vie pour ça. Je propose quand là tout, on dit dit oh, il y une commission Salem, qui ont été impliqués dans ceci dans cela et puis on a dit qu'il n'y aura pas de pardon. On a encore qu'au niveau de l'armée, mais maintenant, il y a une nouvelle dynamique, il y a justice, est -à parce qu'il y a eu un remplacement, il y a leader, il, il, il y a justice militaire, ce sont des choses qui promettent. Nous ne perdons rien à promettre. Moi, tout ce que moi, j'ai à faire, c'est de dire, j'attends. Parce que je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut qu'on réussisse. Il faut qu'on réussisse. Mais tout dépendra de ce que nous allons faire, des décisions que nous allons prendre, des choix qu'on va, qu va opérer. Tout va tourner autour de ça. Si nous réussissons à le faire, on, va, on, on gagne. Mais si nous échouons, on va tous échouer. Donc voilà pourquoi moi je voudrais demander à mes frères, et à mes sœurs, de développer un peu un côté ona. Et vous allez moi vraiment bien quoi, et vous allez bien. Alors j'étais en train de dire c'était le pays c'était ouganda effectivement. Et puis il faut dire aussi que euh, comme je le dis la base des y a la base des kitona. C'est une base baki qui appartenait euh, aux français. Je sais pas si les utilisez le bateau continue kaka. Donc, Toké dans Bongo. Peut-être à la à la lui les choses. Bon ça la base Morogunana Est parce que si le pas base Est t'iras vous Je Je sais pas s'il y en a mais en tout cas pas beaucoup. Donc il faudrait aller avec amener une base là-bas, créer une base moderne là-bas, une base militaire là-bas et on aura des choses à faire. Peut-être ça peut dissuader. Donc dans la dans l'avenir nous pensons tout ce qu'il faut régler la question de l'Est et de la, de la République pourvu que la population on va la protéger. Là où il y a des militaires et ils sont bien entretenus, ils sont bien, ils sont bien protégés, ils vivent dans de bonnes conditions, la sécurité elle est imminente. Comme on avoir sécurité parce qu'il y a armée Zavana. Ce qui te te ma base militaire à Bissau, n'a pas périphérie wana, n'a pas frontière, toute base militaire, n'a pas frontière, on va gagner stabilisé. stabiliser. Donc c'est un choix. C'est un choix qui a beaucoup d'implications. Et je crois que nous sommes en train d'aller vers cette direction-là. Bon, bah, je pense qu'il faut changer notre manière de faire les choses. Et le pays va certainement se développer. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. <music> mama mardi ndé mama mardé ndé balobi sɔɔp afrika yuniyɔn etou tɛ ka yuniyɔn sɔ biloko yalasa yuniyɔn kɔngɔrɛ olyindé kola yɔ asanisani ote pɔna kɔlíyà la yɔn k'ɔba bɔ n'bɛla yɔ pɔna tóto la yɔ b'a bɔ ya yɛlɛ pɔpɔba bɔ n'bɛla yɔ balobi pio pio afrika yuniyɔn etou tɛ ka n'bɛla yɔ sinɔgɔlẹ kpɛlɛ sinɔgɔlẹ adi tẹkọrɔ yɔrɔ tɛ ka. a n'o se ka n dɔgɔya n bɔ. ka ya fresh. yafɔ pio pio na pio. pio na pio. pio mama n balo kura mo n kan jaijari. farofin jɔn bɔn ye ali. ɛɛ nko b'a fɔ a ɲɛ buwari. farofin yɛ ntɛnɛn saali. a ko n ba ka n ka yɛlɛ. pɛrɛnbɔdɔ ya n bi sisan. farofin yaba yaboturu yaba ko bɔ se ka jan nɛ. taara nkando ndenka da ni nabali. ee o ye tike. na suturu. ezagoliya la pɛnti. bon mama <imitation> <imitation> m

J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone Capip et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman eh, nanya zaliawa 500 francs. 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail Tu as pu récupérer l'enfant à l'école Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop Okapi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie. En mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence.